Allez, John Fred. Pauvre John Fred, va. Vu ton âge, si t'avais un accident, il y aura un grand article dans le journal. Un nonagénaire, il ferait mieux d'aller jouer aux boules que de conduire. Ah, 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 ah. Ah, c'est sûr, ça. Ça, j'en suis sûr, ce truc-là. Je suis le dernier poilu de la sécurité sociale. Un des derniers. Je suis né en 1919 dans une famille athée. Mon papa était un socialiste révolutionnaire et il s'occupait beaucoup de la politique. Il m'en a beaucoup parlé, il m'a formé. Et quand je suis sorti de l'école de mécanique, il m'a tout de suite dit « Tu vas à la Bourse du Travail prendre ta carte à la CGT. Chez nous, on doit défendre nos intérêts. » C'était le Front Populaire, donc 1936, et on avait décidé un mouvement de grève. J'en ai parlé aux ouvriers de l'agence Ford où je travaillais, et bien évidemment, ça n'a pas plu au patron, et il s'est séparé de moi assez rapidement. Après, il y a eu la guerre, et j'ai dû fuir le STO. Quelques jours après la libération, l'idée m'a venue de prendre contact avec des anciens militants de la CGT d'Annemasse. Et on a, le 6 septembre 1944, à la mairie d'Annemasse, on a formé, on a appelé les métallurgistes, il y avait pas mal de métallurgistes d'Annemasse, et on a fait une réunion, on a formé le syndicat de la métallurgie d'Annemasse. Très vite, j'ai été élu secrétaire général de la métallurgie de tout le département. Et c'est à ce moment-là, en 1945-46, que la sécurité sociale a été mise en place suite aux décisions du Conseil national de la Résistance. Un conseil d'administration a été nommé. J'ai été élu secrétaire général de ce conseil. Et de ce fait, je suis devenu le leader pour mettre en place cette caisse de sécurité sociale en Haute-Savoie. La création de la sécurité sociale, c'est d'abord une grande bataille pour la dignité, une bataille pour le droit à la santé et la vie, qui passe d'abord par la volonté de se dégager des charités pour aller vers la solidarité, qui traverse tout le combat des mutuelles, des syndicats, des corporations. Et une grande page de cette histoire a été ouverte ici avec Ambroise Croizat, fils d'usine, né à quelques pas dans les cités ouvrières, et qui va pousser à l'achèvement cette grande lutte de siècles en créant, lorsqu'il est ministre du Travail en 1945, la sécurité sociale. Ambroise Croizat a de qui tenir, puisque son père, Antoine Croizat, dans ce pôle industriel de Notre-Dame-de-Briançon, va lancer la première grande grève en mars 1906 pour l'obtention d'une caisse de secours, c'est-à-dire les prémices de la sécurité sociale. Ambroise Croizat naît dans cette famille ouvrière et vit la vie des ouvriers qui sont très proches encore de la misère qui courait dans les pages de Germinal.
ça veut dire vivre sans protection sociale. Ça veut dire que lorsqu'on est malade, on ne travaille pas, donc on n'a pas de salaire. Et on fait comment pour vivre? Donc on vit dans la peur, dans la terreur de l'accident du travail, dans la peur de la maladie. Et ici, à quelques pas, un ouvrier me racontait que dans les années 38, alors qu'il était ouvrier paysan, il avait été obligé de vendre deux vaches, il en avait trois, pour pouvoir opérer son fils de l'appendicite. L'état social et sanitaire de la France est très préoccupant avant la création de la sécurité sociale. Alors pour pallier cet état, on voit émerger des initiatives patronales pour garantir un revenu en cas de maladie ou garantir des soins. C'est aussi des initiatives plus internes à la classe ouvrière avec des sociétés de secours mutuels qui sont très mal vues à l'époque parce que on y voit le ferment d'une subversion socialiste ou communiste, c'est-à-dire d'une classe ouvrière qui s'auto-organise. Et puis, petit à petit, le gouvernement commence à être de plus en plus volontaire et on met en place, dans les années 1928-1930, les premières assurances sociales obligatoires, alors une mise en place qui a été conflictuelle. Et donc, il s'agit d'obliger des ouvriers qui sont en grande précarité à cotiser à ces caisses. Donc, bien évidemment, l'essentiel de la population n'est pas concerné par ces premières assurances sociales obligatoires. C'est 4% la part salariale et 4% pour la part patronale. Et déjà donc à l'époque, les patrons s'inquiètent du renchérissement du coût du travail par rapport à un marché du travail purement libéral et menacent déjà de délocaliser dans les colonies en disant finalement on trouvera là-bas du travail bien moins cher. Après son licenciement en 1906, le père d'Ambroise Croizat, Antoine Croizat, quitte la Savoie et s'installe dans la région lyonnaise. Très rapidement, il se trouve confronté à la guerre de 14, comme tout le monde. Les grandes boucheries commencent. Il doit partir. Ambroise Croizat n'a que 13 ans, mais il devient le chef de famille et c'est à son tour de travailler. Là, il s'embauche comme aide-ajusteur. Un petit poste dans une entreprise métallurgique à Vaise. Trois jours après son embauche, il adhère à la CGT. Il monte dans l'échelle syndicale. En 1927, il est secrétaire de la Fédération CGTU des métaux. Il est donc à Paris, il est permanent. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne reste pas dans son bureau. Il part sur son tour de grève, des grèves qui l'amènent à Bordeaux, à Marseille, à Tourcoing, à Grenoble, et en 1936, le 3 mai, le Front populaire prend le pouvoir. Le nombre des députés communistes est passé de 7, si je me rappelle bien, à 72. On a vu arriver alors cette foule de députés en casquette, si bien que les journalistes dans la salle des quatre colonnes affolées se sont dit « c'est la révolution ». Voici messieurs Paul Reynaud, Candace, quatre élus communistes, Croizat, Martel, Ramette et Devers. Il est élu député communiste de Paris du 14e arrondissement. On le retrouve dans la grève qui allume cet immense brasier du Front populaire. Donc on voit bien un homme qui est à la fois sur le terrain, à l'écoute des revendications, et à l'Assemblée pour transformer ces revendications en loi.
Cette salle, elle a vu toutes les ferveurs du mouvement ouvrier depuis le début du siècle, quoi. Et Croizat, il l'a fréquenté sans cesse. Je suis exactement à sa place. C'est plutôt impressionnant. Toi, là, je vois pas. Non, c'est bien moi, là. Ouais. Donc, il y a ma tante, papa. Papa. Ah, puis alors, oui, mon grand-père et ma grand-mère, maternelle. Je pense que c'est la dernière photo où vous êtes ensemble, là. C'était mieux, quoi, bien. Voilà. Tu reconnais quand même ton visage, là, un peu. Oh, c'est en ma petite bouille, là. Ouais. Je suis née le 5 août 1936. Papa était député depuis peu de temps. J'ai eu un papa qui s'occupait bien de moi, et une maman aussi. Et puis qui, en 1939, 3 ans après, se fait arrêter. Monsieur Molotov et sa suite arrivent au château de Bellevue, demeure berlinoise des hôtes d'honneur du Reich. Un entretien a lieu tout d'abord avec Monsieur von Ribbentrop. Ce premier contact prouve non seulement la réalité des rapports germano-russes, mais il annonce aussi leur consolidation. C'est dans cette terrible année 39 qu'arrive le pacte germano-soviétique, qui va troubler, consterner beaucoup de militants, mais qui, en même temps, va être une occasion rêvée pour les patrons et la droite d'en finir avec les communistes. Le pacte date du 23 août, le 25, c'est la suspension de l'humanité. Le 27, c'est toute la presse communiste qui est interdite. Et un mois après, c'est l'interdiction du Parti communiste. Dans ce climat de chasse et d'hystérie, Ambroise Croizat est arrêté sur le parvis de l'Assemblée nationale avec 35 autres députés communistes. D'habitude, maman descendait avec lui jusque devant la porte. Et ce jour-là, comme par hasard, il ne veut pas qu'elle vienne. Mais papa ne rentrera pas. Le 20 mars 1940, les députés déferlent leurs collègues communistes devant un tribunal militaire. Ils sont 30 dans le box, parmi lesquels Valdécrochet, Biou, Croizat et Moquet. Ils sont accusés non pas de trahison, mais simplement d'avoir propagé des mots d'ordre de la Troisième Internationale. Et moi, je suis allée au tribunal aussi. Et ce jour-là, quand tu comprends, j'ai peut-être pas vu mon papa depuis quelques jours. Quand je l'ai vu arriver, je commençais à hurler « Papa !» Alors quelqu'un s'est levé et a dit « Faites sortir la perturbatrice ». C'est moi. Le 3 avril 40, après 11 jours de procès devant un tribunal militaire à huis clos, ils sont condamnés à 5 ans de prison, 4000 francs d'amende et déchus de tous leurs droits politiques et civiques. Le soir même, dans la prison de la Santé, Ambroise Croizat écrit à sa femme Denise « J'ai été élu par 11 000 voix et je viens d'être déchu par une poignée ». Ils vont rester à la prison de la Santé jusqu'au 18 mai 40. Et puis ce jour-là, ils sont embarqués en fourgon cellulaire vers le sud, à travers 14 prisons en France, pour arriver au Fort Saint-Nicolas à Marseille. Au Fort Saint-Nicolas, ils sont embarqués dans un moutonnier, en fond de cale. Ils ne savent pas du tout où ils vont, direction la Méditerranée. Et ils arrivent au bagne d'Alger, à Maison Carrée, ce terrible bagne qui est l'antichambre de Cayenne. Là, ils vont écroupir 2 ans entre le travail forcé, la dysenterie, les coups, les simulacres d'exécution. On n'a plus de moyens d'existence, ça veut dire que vous ne pouvez même plus aller à l'école parce qu'il n'y a plus de chaussures aux pieds. Il y avait vraiment des problèmes, par exemple le charbon pour chauffer. On avait bien des tickets de charbon, mais on n'avait plus l'argent pour l'acheter. Par la suite, on va avoir un mandat d'arrêt contre nous. Je suis révoltée encore maintenant, à mon âge.
Je vais t'expliquer, j'en veux à tous ces gens qui l'ont emmené, qui lui ont fait faire une vie comme ça. Personne, à mon avis, a des hommes qui n'avaient rien fait. Hein, qui étaient des hommes qui voulaient prendre le... qui voulaient aider les autres. Ils ne voulaient pas... Bon, parce qu'ils étaient où ? Ils étaient bons, ils faisaient de la politique ou du syndicalisme. Mais c'était vraiment, bien souvent, des hommes un peu exceptionnels quand même. Après l'assassinat de Guy Môquet, il a fallu qu'on a quitté Paris. Oui. Et t'as un papillon dans les cheveux. Oui. Tu te rappelles où c'est, là, oui, alors ? Ah bah, ça doit être... ça devait être à Baume-Venise. C'était, oui. On était dans le Midi. Parce qu'on était... Les Portales, les Billoux et nous, on était cachés ensemble, oui. Enfin, à quelque chose près. En novembre 1942, l'amiral Darlan, délégué du gouvernement de Vichy, et le général Juin, qui commande sur place... sont surpris en Afrique du Nord par un débarquement américain. Les députés communistes pensent être libérés, mais il faudra qu'ils attendent encore 3 mois avant de l'être, et encore sous conditions politiques. On leur dit, on vous libère, mais vous ne faites rien, évidemment, ils ne vont pas suivre la consigne. En juin 1943, le général de Gaulle crée à Alger le Comité français de libération nationale. Il s'entoure d'une assemblée consultative dans laquelle Ambroise Croizat va être désigné par la CGT clandestine président de la commission du travail. Et c'est sur les bancs de cette assemblée, avec d'autres députés parlementaires résistants, que vont mûrir les grandes inventions sociales de la libération. Pendant ce temps-là, sur le sol français, le Conseil national de la résistance rédige un programme dans lequel est stipulé que devra naître un plan complet de sécurité sociale. Et c'est Ambroise Croizat, à la Libération, qui sera chargé de l'appliquer. En août 1944, il rentre en France sur le croiseur Jeanne d'Arc. Maman, elle me dit, « Dis donc, et si je te ramenais ton papa ? Tu te rends compte ? Si je te ramenais ton papa ? » Bon, je crois que c'est le... Ça a été le... Quand... Alors lui, à ce moment-là, il est sorti de voiture. Et puis j'ai dit, j'ai collé à mon père après. Je n'ai plus jamais la... Enfin, tant que j'ai pu la voir, j'en ai profité. C'est la plus belle chose que je me souviens, c'est d'avoir récupéré mon papa d'une gentillesse, d'une offre absolument extraordinaire. J'étais la plus heureuse des petites filles. Hein. Mais j'étais collante, j'étais toujours collante. Là, on le voit, là, je suis collante. On le voit en photo. Bien définir et bien comprendre le projet de sécurité sociale en 1945, je crois qu'il faut dire 2 mots sur le contexte. Pendant un certain temps, il y a eu en France un consensus, qu'il faut souligner parce que c'est tellement atypique, enfin, un consensus entre les 4 grandes familles politiques du moment, c'est-à-dire le MRP, les gaullistes, les socialistes et les communistes, sur vraiment la volonté, le désir, le projet d'une nouvelle société. Les contemporains ont parlé de victoire de l'idée socialiste. C'était le projet, alors tous les termes sont importants, d'organiser rationnellement une société juste et solidaire. Et donc, la sécurité sociale a été pensée dans ce contexte-là. Si on veut penser une société juste et solidaire, il faut absolument que chaque citoyen soit protégé. Il n'y a pas de liberté sans protection, il n'y a pas d'égalité sans solidarité.
Alexandre Parodi, que le général de Gaulle avait appelé pour remplacer Jean Moulin et nommé ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Et Parodi demande à Pierre Larocque de prendre la direction des assurances sociales et de préparer le plan de sécurité sociale et sa mise en œuvre. Pierre Larocque est un personnage central dans l'histoire de la sécurité sociale, issu d'une famille bourgeoise. Il n'est pas du tout préparé, a priori, à s'occuper des affaires sociales. Et pourtant, va se dérouler une carrière entièrement dévouée à la protection sociale. Pour lui, c'est le politique qui doit commander à l'économique et pas l'inverse. Donc, il a été très sensible à l'expérience du Front populaire. Et arrive Vichy et il a été appelé au ministère de René Belin parce qu'il était très spécialisé dans les rapports, justement, entre les employeurs et les employés. Il n'avait aucune sympathie pour le régime de Vichy. Et en octobre 40, il quitte le ministère. D'ailleurs, c'est la fameuse loi contre les Juifs. Il va partir en avril 43 à Londres où il intègre la France libre. Il reviendra en août 44 à Paris. Il va préparer le texte qui va être débattu dès juin 45 et ce texte va par la suite passer à l'Assemblée provisoire et donnera la fameuse ordonnance d'octobre 45 qui est l'acte fondateur de la sécurité sociale. La grande ambition originelle de la sécurité sociale, c'est d'instaurer une caisse pour toute la population française couvrant les quatre risques fondamentaux que sont la vieillesse, la santé, la famille et les accidents du travail et les maladies professionnelles. En cela, les concepteurs du plan français de sécurité sociale s'inspirent en grande partie du rapport Beveridge de 1942, rapport Beveridge qui a constitué une grande date dans l'histoire de l'avènement de la protection sociale moderne. Et dans ce rapport Beveridge, c'est l'État qui gère l'ensemble du système avec des ressources fiscales, avec l'impôt. Dans le cas du plan français de sécurité sociale, le système est financé par des cotisations sociales, c'est-à-dire du salaire socialisé. Et l'ensemble du système est géré non par l'État, auquel on ne fait pas trop confiance, parce qu'on a peur que l'État, en période de disette budgétaire ou de crise économique, rogne sur les budgets sociaux. Et donc, on va confier la gestion du système aux représentants des salariés et aux représentants du patronat. De fait, on observe une gestion qui est très favorable aux représentants des salariés, puisque trois quarts des sièges des conseils d'administration vont aux syndicats et un quart au patronat. On est là clairement dans l'ambition d'une démocratie sociale parallèle à la démocratie politique parlementaire traditionnelle. Ce sont donc les ouvriers qui prennent en main leur propre sécurité sociale. Et c'est là qu'est la révolution. C'est ce qui va fâcher dès le départ. Ils siègent au sein des conseils, ils élisent leur directeur, ils gèrent l'équivalent du budget de l'État, et bien plus par la suite, et tout ça par un rapport de force qui rend la chose possible. Ce rapport de force, il est simple, 5 millions d'adhérents à la CGT, 29% des voix au Parti communiste, une classe ouvrière grandie par la résistance, et un patronat mouillé par la collaboration. Et tout ça, même si c'est De Gaulle qui dirige la France à l'époque. Donc De Gaulle, à travers même un haut fonctionnaire gaulliste comme les Larocque, et même si lui-même, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé, va se trouver comme chef de gouvernement, porteur de toutes ces initiatives, mais qui sont imposées en fait par les communistes. De même que le texte du CNR a progressivement bougé d'un texte socialiste assez plan-plan vers un texte beaucoup plus à gauche, sous l'impulsion des communistes. Le général de Gaulle, qui a formé son second ministère, le premier de la 4e République, ministère d'Union fondé sur un programme démocratique et hardi, va recevoir à l'hôtel Matignon les membres du nouveau cabinet. Voici rassemblés autour de son chef ce ministère qui apporte quelque chose de nouveau. C'est ainsi que M. Ambroise Croizat, nouveau ministre du Travail, est un métallurgiste encore tout proche des problèmes qu'il aura à résoudre.
Il entre ici, à Grenelle, le 22 novembre 1945. Ici, ont défilé 82 ministres du Travail. Le seul qui ait connu la misère ouvrière, c'est lui, Ambroise Croizat. C'est étonnant parce que je retrouve tel qu'il était en 1946 avec l'équipe de Croizat derrière. J'imagine ce fils de manœuvre arrivant ici en 1946 après un passage dans une deux petites pièces de la rue Daguerre. C'est impressionnant, hein? Quand il entre ici, il ne trouve qu'une ordonnance, celle du 4 octobre 1945, portant création de la sécurité sociale. Mais ça n'est qu'une ordonnance. L'idée est là, mais il faut bâtir l'édifice. Et bâtir l'édifice sécurité sociale, c'est bâtir 138 caisses de sécurité sociale, 113 caisses d'allocation familiale, et tout ça sous sa maîtrise d'œuvre. Un peuple bâtisseur, qui est le peuple ouvrier de 1945, prend en main cette construction qui ne va durer que 7 mois. En 7 mois, un édifice extraordinaire va sortir de l'invention sociale de ces hommes, et tout à coup, comme ça, on avait le droit de vivre. Parce que la sécurité sociale, ça n'est rien que le droit de vivre. Et pour moi, Croizat, c'est d'abord ça. Avant tout le corpus de loi qui nous laisse, c'est cet homme qui entre ici et qui dit, enfin, désormais, nous allons en finir avec les angoisses du lendemain. Désormais, nous mettrons l'homme à l'abri du besoin. Désormais, la retraite ne sera plus l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Et nous ferons de la vie autre chose qu'une charge ou un calvaire. Et je pense aussi à ma mère, là, en ce moment. On se sent ému un peu, ici. Oui, parce que c'est... Moi, je consacre ma vie à l'histoire de cet homme, quoi, qui m'a d'abord précédé dans la cité ouvrière, où j'ai vécu avec ma famille. Moi, je sais tout ce que je lui dois, quoi, hein. Ma mère était une femme de ménage, elle avait 8 enfants à charge, et si on a pu avancer tous ensemble sur ce chemin, c'est parce que lui a été là, avec toutes ces lois sociales qui ont permis les allocations familiales, le doublement du montant des allocations familiales, c'était extraordinaire, quoi. La création des comités d'entreprise qui, tout à coup, faisait de moi, petit-fils d'ouvrier, quelqu'un qui pouvait aller en vacances, quelqu'un qui pouvait accéder aux livres, parce que c'était les livres de la bibliothèque, du CE, mais aussi quelqu'un qui pouvait avoir des bourses scolaires pour continuer. Moi, l'université que j'ai pu faire, je lui dois à lui. Et au fond, moi, il m'a donné la vie, cet homme, et ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de lui rendre, quoi. Nous franchissons aujourd'hui une étape décisive dans l'application du plan de sécurité sociale dont la France peut, à juste titre, être fière. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. Mais ces dispositions supposent évidemment une éducation toujours plus approfondie des assurés qui doivent s'intéresser au fonctionnement de toute l'organisation. On a reçu des directives d'Ambroise Croizat quand il a été ministre du Travail en 1946 en disant... La sécurité sociale, c'est une grosse affaire et il faut que la CGT, elle s'engage à fond. Et je compte sur elle parce que c'est elle qui fera la réussite ou l'échec. En 1945, Croizat et Larocque sont conscients qu'il faut aller vite, qu'ils bénéficient pour mettre en place la sécurité sociale d'une conjoncture politique exceptionnelle et qu'il faut donc aller au plus vite.
Et donc, ils choisissent de différer l'organisation des élections au Conseil d'administration de la Sécurité sociale, ce qui leur vaut l'opposition de la CFTC, qui, elle, exige des élections immédiates. C'est la raison pour laquelle la CFTC s'opposera au monopole de représentation acquis par la CGT dès 1945 dans la Sécurité sociale. Donc c'est Ambroise Croizat, ministre communiste, et la CGT qui mettent en place, c'est un énorme travail, parce qu'il fallait regrouper des centaines de caisses d'affinité, des caisses patronales, des caisses confessionnelles, des caisses syndicales, des caisses mutualistes, enfin, en plus des caisses départementales. Il fallait ouvrir des bureaux un peu partout dans les villes, des bureaux de sécurité sociale. À Cluse, par exemple, on avait demandé au maire, et le bureau sécurité sociale, il était dans les combles. Et je me rappelle, il y avait mon ami Floret, c'était un militant de la CGT. Alors, quand j'allais dans les réunions, des fois, je repassais vers 9-10 heures le soir, je rentrais, c'était allumé en haut. Alors, je vais le voir. Ah, il me dit, mais tu sais, Frégot, hein, j'ai des problèmes, là, il faut que je règle. Je suis en retard, je travaille. Et ils travaillaient des heures en dehors de... Tous, hein, à mort, hein, ils y allaient. Hein. Comme permanent, on ne comptait pas les heures. Hein. Dans ma vie de militant, j'ai eu 2 dimanches après-midi par mois. Et j'ai eu une épouse formidable. Jamais elle m'a fait un reproche. Jamais elle m'a dit « Oh, j'aimerais que tu restes là ». Jamais. C'était une militante aussi. J'ai eu de la chance. Le plan de sécurité sociale a été conçu et établi hors de la vie et imposé à l'ensemble, non plus des assurés, mais des assujettis. L'accroissement formidable de la réglementation, l'inextricable enchevêtrement de lois et d'arrêtés de toute espèce qui nous étouffent et nous paralysent, ne sont pas une cause, mais un résultat. Les réticences et les résistances vont se faire jour très vite. Elles viennent de tous côtés. D'abord des résistances de la part de groupes qui avaient déjà leur propre régime, à savoir les agriculteurs, les fonctionnaires, certains salariés des grandes entreprises publiques qui, eux, vont vouloir garder leur régime. Et puis ceux qui n'avaient pas de régime, comme les indépendants, refusent d'être affiliés au régime général des salariés de l'industrie et du commerce et donc vont réclamer leur propre régime. Il y a la mutualité, hein, et on peut comprendre pourquoi, parce que la mutualité se voit dépossédée de sa raison d'être par la création de la sécurité sociale. Autrement dit, c'est son existence même qui est menacée. L'Église, par en dessous, elle avait son truc, elle aurait voulu garder ça. Ils voulaient garder leur influence. Et là, on leur enlevait une partie de leur influence. Et ça, ça ne leur a pas plu. Ça, c'est certain. Et puis, il y a le cas des syndicats de médecins libéraux qui seront des farouches opposants à la création de la sécurité sociale pour éviter ce que les responsables des syndicats médicaux appelaient la médecine de caisse, hein, le spectre d'une médecine sociale ou d'une médecine socialisée où les médecins seraient sous les ordres des caisses de sécurité sociale et pire, sous les ordres de la CGT, ce qui était impensable pour le monde des médecins libéraux. Dominique, vous commentez les premières pistes de réforme du droit du travail présentées par le gouvernement hier. Oui, il y a deux manières de les voir. La première est de dire il n'y avait pas grand-chose à en attendre. Rien d'important n'a vraiment été annoncé hier et donc on n'est pas déçu. C'est vrai que l'information principale, le code du travail sera réformé d'ici 2 ans, est presque comique. 2 ans. Ah, Malakoff Médéric, le concurrent de la sécurité sociale. Ouais. Et puis l'école, elle est juste. Et juste voilà notre école nationale. Ouais. Qui forme les futurs cadres de la sécurité sociale. Bonjour la jeunesse! Quand je me suis occupé de la sécurité sociale en 1946, j'avais 26 ans, votre âge. Et maintenant, je suis un vieillard. Vous êtes gentil de me recevoir, mais dites-vous bien
que je ne suis pas une exception. En 1946, à la mise en place de la Sécu, dans les 90 départements, il y a eu 90 Fregonara, c'est mon nom. On était 90, et ce que j'ai fait, c'est pas particulièrement formidable, parce qu'il y a eu 90 personnes comme moi qui ont fait le même travail. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est une histoire de la France. On s'est trouvé 16 administrateurs de la CGT et les patrons avaient créé une caisse d'assurance sociale dans nos entreprises. Et ils ne voulaient pas lâcher les caisses comme ça. Du reste, on se méfiait d'eux. Il y avait 4 patrons au conseil d'administration et ils n'étaient pas pour la mise en place de la sécurité sociale d'une manière aussi dynamique que nous. C'est évident. Est-ce que vous avez un peu secoué les patrons pour que... Ah justement... oui. Oh, ben, camarades. Et c'est sûr. Ah ben, c'était notre boulot, hein. On voulait pas se laisser faire, hein. C'était nous les rois. Nous les rois. Pendant un an, on était les rois, hein. Je voudrais revenir à une des choses que vous souhaitez que nous retenions particulièrement, c'est que c'est la CGT qui était vraiment haut urbain, comme vous l'avez dit vous-même. Ah, du 4 mai 46 au 27 avril aux élections, c'est seule la CGT qui a supporté la mise en place et la création des premières caisses primaires de sécurité sociale. Ça, je vous l'assure, vous pouvez me croire, parce que j'y ai vécu. C'est la CGT. C'est comme ça. D'accord ou pas d'accord, je suis persuadé que parmi vous, tout le monde n'est pas CGT, tout le monde n'est pas syndicaliste, tout le monde n'est pas ça. Mais c'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est important. On était décidé, on n'était quand même pas les derniers venus, on a quand même, on comprenait l'affaire, on savait, on était des travailleurs, donc la sécurité sociale c'était pour nous, alors on savait ce qu'on voulait pour notre bien-être, ça on le savait ça. Tout ça se fait en 6 mois de façon magistrale, ce qui montre aussi les grandes capacités du mouvement ouvrier à gérer. C'est ça qui est insupportable pour une classe dirigeante. C'est pas d'abord qu'elle doit refiler des sous. Son problème, c'est pas le porte-monnaie. Son problème, c'est le pouvoir. Or, ce qui se joue en 46, c'est la démonstration de la capacité de pouvoir du mouvement ouvrier. Ambroise Croizat, ministre du Travail, augmente de 130% la retraite des vieux et l'étend à toutes les catégories de travailleurs. Il rétablit le principe de la semaine de 40 heures en majorant de 50% les heures supplémentaires et supprime l'abattement de 10% sur les salaires des femmes. Aux jeunes travailleurs, 3 semaines de congés payés et la formation professionnelle accélérée avec l'aide de Marius Patineau leur donne un gagne-pain. Croizat, c'est une fracture complète. Je pense que c'est l'invention sociale. Lors de son passage au ministère, il laisse un héritage social considérable. Quoi. Et quand je compare les 2 ans d'Ambroise Croizat au total du travail des ministres du Travail depuis René Viviani en 1906 jusqu'à François Rebsamen, j'arrive pas bien à trouver la comparaison. Quoi. Il y a un projet politique fort. Et au fond, quand il y a un projet politique fort et des hommes et des femmes capables de l'incarner, eh ben on a ce que l'on a, c'est-à-dire 2 ans de travail acharné qui ont changé notre vie. On a squatté votre bureau parce qu'on est en train de faire un documentaire sur l'histoire de la sécurité sociale, sur un de vos prédécesseurs ici, bâtisseur de la sécurité sociale. Je pense que vous voyez de qui je parle. Viviani, on le s'entend. À la sécurité sociale. Ah, la sécurité sociale, c'est pas mon secteur. Moi, je suis au travail ici. Oui, mais ministre. D'ailleurs, ici, c'est ministre du Travail. C'est plus ancien, c'est monsieur Viviani. Il y a 100 ans, d'ailleurs, on va fêter le centenaire de ce ministère. Voilà.
Mais à la Libération, il y avait monsieur, le bâtisseur de la sécurité sociale, c'était monsieur Troisat. Oui, oui. Donc on fait un documentaire sur la... Mais c'est pas ici, hein. Il était ministre du Travail ici. Oui, mais c'est pas ici aujourd'hui, c'est au ministère du Ken. Oui, oui. Voilà. Mais juste une question. Monsieur Croisat, vous en avez entendu parler, ou dans son histoire, nous, on découvre un petit peu cette histoire-là. C'est quelqu'un qui a marqué le ministère pour vous ou pas, plus que d'autres ministres? Non, pas plus que d'autres ministres, mais celui qui a marqué en 1945, c'est le général de Gaulle. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Le propre de la classe dirigeante, c'est de voler l'histoire populaire, hein, ça, on le sait tous. Hein. Et du part d'attribuer à De Gaulle une paternité qui n'est évidemment pas la sienne, hein, c'est un homme politique, il sait y faire, et il assume, y compris des initiatives qui ne sont pas les siennes, mais très vite il démissionne. C'est pour lui insupportable, hein, l'arrivée de cinq ministres communistes dans son gouvernement, tout ça, c'est un homme de droite... qui a eu une véritable haine pour la démocratie sociale. Et donc, dès janvier 1946, il démissionne. Donc, tout le boulot est fait par Ambroise Croizat avec un directeur, un haut fonctionnaire qui sort un peu du rang et qui est Larocque. Voilà. L'histoire et les valeurs font vraiment, sont partie intégrante en fait aussi de ce qu'on enseigne, hein, aux futurs dirigeants. Donc par exemple ici vous avez l'extrait de l'ordonnance de 1945 qui a créé la sécurité sociale. L'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale que je connais. Ah ben c'est bien. On a souhaité faire une référence à monsieur Pierre Larocque par cette plaque. Voilà. Alors, j'ai connu Pierre Larocque parce qu'il nous a fait des réunions pour expliquer comment il voyait le développement de la sécurité sociale. D'accord. Donc, notre amphithéâtre, Pierre Larocque. Et donc, voilà. On a ici un petit texte de présentation de Pierre Larocque. Et est-ce que vous avez également... Est-ce que vous parlez d'Ambroise Croizat? Alors pour tout qui vous était dire, ministre non. du Travail en 1945, parce qu'il a joué le rôle essentiel, Larocque était sous les directives d'Ambroise Croizat. Alors effectivement, c'est un personnage que, en tout cas moi, personnellement, je ne connaissais pas. Enfin, je ne connaissais pas. En tout cas, je n'avais pas en tête l'importance qu'il avait eue. Et comme vous pouvez le voir dans notre école, on n'a pas de présentation d'Ambroise Croizat. Ah bon Donc Ah bon. Ah bon. Les directives d'Ambroise Croizat, pour nous, étaient supérieures à celles de Larocque. D'accord. Larocque, c'était le technicien. C'était celui qui avait rédigé la sécurité sociale. Mais Ambroise Croizat, c'est celui qui a dit il faut la mettre en place. D'accord. Donc, il faut revaloriser un peu Ambroise Croizat. D'accord. Comment ça se fait que vous n'ayez pas une mention d'Ambroise Croizat ici? Franchement, je... Moi, j'ai pas d'explication, si ce n'est de... Je sais pas, pas mettre en dessous d'Ambroise Croizat communiste. Je sais pas. Mais moi-même, quand j'ai fait des études dans les années 60-70, le nom d'Ambroise Croizat n'a jamais été prononcé dans mes cours sur la sécurité sociale. Hein. On ne parlait que de Larocque. Nous sommes encore une fois dans ce révisionnisme qui nie l'histoire ouvrière. Je rappelle que Croizat était secrétaire de la Fédération des métaux, de la CGT, qu'il est mort d'épuisement à 50 ans et qu'il a eu un enterrement à la Victor Hugo. Et si le peuple de Paris était là, c'est que eux n'avaient pas oublié le rôle du mouvement ouvrier dans la création d'une institution révolutionnaire, peut-être. Thank you.
Voilà la maison d'Ambroise. Ah oui, c'est papa qui a acheté. Il avait besoin de quelque chose pour se reposer un peu. C'est le château dont parlait le Figaro. Oui, c'est ça, c'est le château. Il disait qu'Ambroise avait un château à Saint-Sauge. Oui, bien sûr. C'était bon d'avoir un château. Il avait à peine le quoi de payer sa maison. C'est le seul bien qu'il a eu avant de mourir. Hein. Mais la maison est dans un triste état. On n'y peut rien. On a toujours plus ou moins manqué d'argent. Mais enfin, on se débrouillait. C'est-à-dire que bon, papa n'avait pas de grand besoin de. Ça, ce qu'on lui donnait, il s'en arrangeait. Il a toujours vécu comme ça. C'est le parti qui touchait les payes. De tous les députés, logiquement, communistes. Mais c'était un accord, personne ne trouvait ça normal. Il fallait que le parti vive aussi. C'était son seul moyen de vivre aussi, en partie. Ce sont les élus qui faisaient vivre aussi. Donc, le parti pensait qu'une paye de député aurait pu leur donner une envie d'embourgeoisement et que pour qu'ils continuent à défendre les ouvriers et les plus pauvres, on leur donnait une paye d'ouvriers spécialisés. Pas n'importe quoi, quand même. Il restait des ouvriers. Ils avaient beau être députés ou ministres, ils ne changeaient pas. La sécurité sociale a totalement transformé la société française. L'espérance de vie, fin 19e siècle, la moyenne espérance de vie, 45 ans. En 1960, donc 15 ans après l'instauration de la sécurité sociale, l'espérance de vie est à 70 ans, ce qui était énorme comme bond. La mortalité infantile était en 45, juste avant la sécurité sociale, de 108 décès pour 1000 naissances, et elle est en 54, c'est-à-dire 9 ans seulement après, de 37 pour 1000. La sécurité sociale, elle a vraiment libéré les catégories les plus basses de la société de ce sentiment d'insécurité qui était un véritable cancer de la société française. Je pense qu'il faut insister sur le fait que la sécurité sociale, c'est un îlot de socialisme dans une France ruinée. Tout à coup, les corps se sont relevés. Et moi, je voyais l'effet de cette sécurité sociale dans la chair même, dans les yeux même des gens qui m'entouraient. Tout à coup, ils retrouvaient ce qui leur manquait, c'est-à-dire la dignité. Tout a bien fonctionné pendant un bon bout de temps, avec une bonne croissance, une classe ouvrière forte, des taux de cotisation qui augmentent régulièrement et sans cesse. C'est d'ailleurs à cette époque que l'appareil hospitalier se développe, avec la naissance des CHU par exemple. Et puis arrivent ces premières grosses attaques contre la démocratie sociale, le début d'une longue série en 1967. La réforme de 1967 est la première grande réforme des ordonnances 45. C'est une réforme qui se fera par ordonnance et qui va reprendre deux propositions du texte de 51 du patronat, c'est séparation des risques. Chaque risque doit être séparé et géré indépendamment du risque, alors que l'ordonnance 45, au contraire, c'était une unité. Et ensuite, parité, c'est-à-dire que la représentation patronale doit être à égalité avec la représentation syndicale ouvrière. Alors on pourrait dire c'est juste, mais ça ne l'est pas, parce que le patronat, lui, est unifié. Donc, en quelque sorte, il fait front uni. Par contre, les syndicats de salariés sont divisés, CGT, FO, CFTC, puis CFDT. Et donc, de fait, le patronat, pour faire une majorité dans les caisses, peut choisir un des syndicats, une des confédérations syndicales, les plus sensibles ou les plus réformistes, en tout cas les plus sensibles à ses préoccupations, et former ainsi une majorité
favorable au patronat. Donc, de fait, dans un paysage syndical divisé, le paritarisme strict donne le pouvoir au patronat. Le progrès des dépenses de santé, le progrès de la médecine, c'est un problème à la fois humain et économique, très important, nous le savons, et il dépend du corps médical, en particulier de Sentir, qui n'a plus simplement des responsabilités de santé, mais qu'il a aussi des responsabilités nationales et même des responsabilités économiques. Je crois que c'est l'évolution partout. C'est d'ailleurs ce que recommande la Commission du marché commun à tous les partenaires de la communauté. Et nous verrons bien comment les choses marchent. Pour ma part, j'ai confiance, parce que j'ai confiance dans les hommes à partir du moment où on les oblige à être responsables. Peu à peu, on voit comment la dimension politique de la sécurité sociale d'abord est marginalisée, pour être ensuite oublié. Et c'est vraiment un raisonnement qui tient compte simplement des chiffres financiers, budgétaires, etc., et qui les pose comme critères par rapport auxquels on doit faire évoluer la sécurité sociale. On ne débat plus sur la place de la sécurité sociale dans la société, mais on débat de la place de la sécurité sociale dans l'économie. C'est le début vraiment de la prise de pouvoir, entre guillemets, parce qu'on le lui donne bien, de l'économie sur le politique. Monsieur Fragonara. Monsieur Fragonara, Jolfred. Oui. On s'est rencontrés il y a quelques années à Annecy, parce que je suis directeur de la Caisse primaire d'Annecy. Ah. Vous vous rappelez, à l'inauguration de la salle Gaston Missilier. Ah ben bien sûr, si j'ai fait le discours. Et voilà. Cette sécurité sociale en France, on a encore de la chance. Oui, je crois qu'on a la, chance. C'est un bon. Le pays vient de traverser une crise importante dont on n'est pas encore tout à fait sorti. Je crois que tout le monde a souligné à juste titre le rôle d'amortisseur de la Sécu pour les plus fragiles de la sécurité sociale. Et moi, j'ai connu le premier directeur Gambini, mais j'avais 26 ans à l'époque en 46. J'avais été trop dur avec lui. Ah bon. J'étais tout feu, tout flamme, tout. Et dès qu'il y avait quelque chose dans un service qui n'allait pas, j'avais tendance à lui dire, vous n'avez pas été capable de régler ce problème-là. Et je sais qu'un jour, il m'a dit, monsieur Fragonara, il s'est élevé au conseil d'administration, vous avez attenté à mon honneur. Aujourd'hui, vous ne vous amuseriez pas à faire ça. Hein. Absolument. Non, mais j'ai regretté à la suite, avec l'âge. Mmh. Quand on a pris l'âge, j'étais jeune, j'avais 26 ans. Mmh. Mais à l'époque, il était du rôle des conseils et des présidents d'entrer dans les détails de la gestion d'un organisme. Ça a changé depuis. Mais... Non, mais on jouait un rôle politique. Oui, c'est ça. Oui. Les gouvernements passent et le déficit reste. Un déficit qui ne fera que croître et embellir jusqu'à devenir le trou. Le système de protection sociale est en crise. Le chef de l'État préconise donc une réforme des structures à l'hôpital et une maîtrise de dépenses par les médecins. Lorsqu'on parle sécurité sociale aujourd'hui, il y a un mot qui vient toujours à coller, c'est le trou de la sécu. Ça n'a aucun sens de mettre sans cesse en avant le trou de la sécurité sociale, si ce n'est de faire culpabiliser les gens. La sécu, dès le départ, n'a jamais été conçue comme devant être rentable. D'abord, on soigne les gens, ensuite on leur donne des retraites convenables, et enfin on trouve des moyens financiers pour le faire. Et ceci, conformément à la belle devise de départ de la sécurité sociale, qui était « on reçoit selon ses besoins, on cotise selon ses moyens ». En fait, le débat du trou de la sécu, il occulte un vrai débat qui est où place-t-on le curseur entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. La thématique du trou de la sécu vise toujours à justifier le déplacement du curseur vers la responsabilité individuelle. Secondairement, ça prépare les esprits à des mesures difficiles et plus généralement à une privatisation rampante des risques sociaux, que ce soit la vieillesse par l'extension de la capitalisation ou la maladie par l'extension des complémentaires santé. Bonsoir. Eh bien oui, c'est un grand moment pour les femmes, et c'est ce qu'a dit Margaret Thatcher elle-même après la victoire de son parti, le Parti conservateur, aux élections. 19h hier soir, la côte ouest n'avait pas fini de voter, mais la télévision de New York donnait déjà le vainqueur, Ronald Reagan. Madame Thatcher a axé toute sa campagne électorale contre la trop grande sollicitude de James Callaghan à l'égard de tout le secteur assisté en Grande-Bretagne. Libéralisation à tout prix pour redonner vie et souffle à l'économie britannique.
Le nouveau président a seulement déclaré « Nous allons remettre l'Amérique au travail et raviver le grand esprit américain ». On repère la naissance politique du néolibéralisme avec l'élection de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan en Angleterre et aux États-Unis. Et ce néolibéralisme, il a pour projet effectivement de démanteler ou en tout cas de privatiser un ensemble de services ou de risques qui étaient jusqu'alors pris en charge dans un cadre collectif et non marchand. Donc c'est le néolibéralisme, c'est Foucault qui a bien montré ça, c'est l'extension du marché et de la concurrence à des sphères qui était vue comme non marchande, qui était vue comme appartenant au bien public, de l'intérêt général et qui devait échapper au profit. Monsieur le Président. 1991, il faut toujours sauver la Sécu. Michel Rocard veut doper ses recettes. C'est la création de la CSG, la contribution sociale généralisée. Sur les fiches de paie des salariés, un autre sigle viendra bientôt la rejoindre, la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale. Il faut le faire, j'en ai l'intime conviction. Il faut le faire maintenant et il faut le faire ensemble. Qu'est-ce que fait Juppé en 97? Il prend acte qu'il n'y aura plus jamais de hausse taux de cotisation. Il crée la CADES, qui est un lieu qui va emprunter sur le marché des capitaux. Et au bout du compte, où en sommes-nous? Les hôpitaux sont à genoux parce que nous n'avons plus ce financement par subvention. À défaut de cela, eh bien nous avons un financement qui met cette production centrale, qu'est la production de santé, aux mains, à la merci des prêteurs. Un homme vient de tomber d'une échelle. Direction l'hôpital sud-francilien, qui a ouvert ses portes en janvier dernier. C'est un groupe privé, FH, qui a construit gratuitement le bâtiment. En échange, l'hôpital doit maintenant payer un loyer pendant 30 ans. Les économies se font sur les effectifs. Cette logique, l'ancien directeur l'avait refusée il y a un an. Il a été poussé vers la sortie. Désormais, c'est donc FH qui assure la maintenance du bâtiment. Récemment, par exemple, il a fallu percer ces deux petites fenêtres pour donner de la lumière aux standardistes. Ils ont facturé chacune de ces fenêtres 27 000 euros. Et il en va de même pour tous les travaux dans l'hôpital. Le loyer a explosé de 30 à 38 millions d'euros par an. Pour s'en sortir, l'hôpital, comme ici aux urgences pédiatriques, a donc fortement limité son personnel. Diminuer les dépenses, le principal poste de dépenses de l'hôpital, c'est le personnel. C'est drôle parce que maintenant, à l'hôpital public, on parle de part de marché. Parce que la santé, c'est un marché. Je suis donc Anne Gervais, je travaille à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, à l'hôpital Bichat, en maladies infectieuses. Je suis pathologue, donc je m'occupe du foie des gens. Ici, on s'occupe des maladies chroniques. Et en fait, les porteurs de maladies chroniques sont généralement pris en charge à l'hôpital et pas dans des cliniques privées parce qu'elles ne sont pas bien payées. Ce ne sont pas des maladies très bien payées, mais en même temps, les maladies chroniques, c'est pas loin de 10% de la population. Bonjour. Alors, donc ça, c'était l'écho que vous avez fait de vendredi. Comme tout doit être quantifié, je vois une évolution qui n'est pas celle que je souhaite. Je pense qu'on doit pouvoir travailler mieux ensemble, et c'est comme ça qu'on travaille plus, c'est qu'on travaille mieux ensemble. Le fait de voir une maladie, une hospitalisation comme un tarif et pas une réponse à un besoin de santé, c'est pas ce pourquoi j'ai fait médecine, et ni même mes collègues. Et on perd un peu de notre âme en faisant ça, et donc on perd de la motivation collective. Et en fait, on travaille plus, mais à mon avis, moins bien. La seule façon de travailler très bien, c'est d'être très motivé. Je continue à l'être. Il y a des moments où on rame un peu à contre-courant, quoi. Dès qu'on connaît la date de la BIRM, ben vous deux. Voilà. Entendu. Allez, merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Un des problèmes, c'est que ceux qui sont aux manettes maintenant estiment que c'est eux les payeurs, donc c'est eux qui décident quasiment. Est-ce que chaque patient qui veut avoir un traitement pour l'hépatite C doit passer par une réunion de concertation pluridisciplinaire? Ah bah oui, parce que c'est extrêmement contrôlé. T'as besoin de l'équipe en général
pour en poser vraiment les indications, être dans les clous et que le remboursement soit fait. C'est des traitements qui valent 48 000 euros pour 12 semaines, tu vois. Et qui sont produits 150 dollars. C'est un peu invraisemblable. Alors on vous répond, oui, mais c'est parce que ça sauve les gens, ça fait gagner tellement d'années de vie que c'est coût efficace. Et avec ce type de raisonnement, la pénicilline, ça devrait être des dizaines de millions d'euros la seringue, quoi, parce que ça a sauvé beaucoup, beaucoup de gens, à commencer par la syphilis secondaire et tertiaire. Enfin, c'est pas logique. En fait, c'est le résultat d'une spéculation en bourse où un très gros labo qui s'appelle Gilead a acheté une petite boîte qui s'appelait Pharmacet par une spéculation boursière de 11 milliards de dollars. Donc, il fallait qu'ils se remboursent vite. Donc, ils ont fait un prix de vente extrêmement élevé. Mais c'est bizarre de se dire que les sécu et assurances sociales publiques, privées, occidentales sont en train de solvabiliser les spéculations boursières des gros labos, quoi. C'est un peu bizarre. Donc là, il faudrait que les gouvernements, qu'il y ait une espèce de vision mondiale de la régulation des entreprises de santé. Parce que la santé, c'est pas comme une production comme une autre. On peut pas dire qu'on produit de la santé. C'est une valeur particulière. On peut pas lui donner, comme on disait tout à l'heure, un coût ou un prix. Le prix d'une année de vie, ça veut rien dire. Donc il faut réguler ce qui permet de maintenir les gens en bonne santé et en... tout en permettant aussi au commerce, à l'entreprise, au salaire d'être versé. Il faut être logique. Mais le réguler, ça semble... Enfin, c'est la moindre des choses, quoi. Alors, toujours dans cette idée de la France à l'offensive, de comment faire gagner la France, Denis Kessler, président de PDG de Score. Oui, merci. D'abord, je voulais remercier Pierre Gattaz de m'avoir invité. Le patronat, dans son aile bancaire et assurantielle, a vu dans la sécurité sociale non pas seulement une charge ou un poids pour les entreprises nationales, mais aussi une source potentielle de profit, un marché à investir, un marché potentiel à investir. Et l'idée, c'était de se connecter sur ces sommes financières énormes pour en détourner une partie des sommes les plus rentables, que ce soit du point de vue de la retraite ou du point de vue de la maladie, soit les deux plus gros postes de la sécurité sociale. Il faut préférer l'accumulation à la redistribution. Nous devons toujours privilégier l'économico-social, le salaire direct ou prestations sociales, l'équilibre entre les droits et les devoirs, plutôt que l'octroi incessant et ininterrompu de nouveaux droits non financés et sans contrepartie. Nous devons soutenir le progrès scientifique plutôt que l'obscurantisme écologique. Nous devons respecter le principe de raison. Nous devons préférer la retraite à la carte à l'indéfendable retraite légale à 62 ans et la nouvelle hausse des cotisations réduisant le pouvoir d'achat des salariés et réduisant les marges des entreprises. Je préfère les fonds de pension au régime avec des trous sans fond. Je préfère la capitalisation à la répartition. Fondamentalement, ce qu'il nous dit là, c'est ce qu'on entendait déjà à la fin du 19e siècle. Mais effectivement, après, je dirais, 30 ans, 40 ans de progrès social continu, effectivement, il peut paraître moderne ou nouveau de revenir en arrière. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est moderne, c'est de réactiver le vieux fonds libéral contre la solidarité et la sécurité sociale. Voilà, c'est ça qui paraît moderne. C'est ça le grand coup de force. Hein. C'est-à-dire que ceux qui défendent la sécurité sociale sont aujourd'hui accusés d'être des conservateurs, des archaïques, des gens crispés sur les acquis, etc. Et eux ont réussi à s'incarner, ce projet réactionnaire a réussi à s'incarner comme un projet de mouvement, de progrès. C'est ça, c'est-à-dire de déguiser le grand bond en arrière comme un grand bond en avant. Donc ça, c'est ça qui est assez fascinant. Les Français ne supportent plus le système français de sécurité sociale. C'est un système qui est épouvantablement coûteux, qui ruine l'économie, qui ruine les entreprises. Bah écoutez, je suis le docteur Claude Reichmann, je suis le président du mouvement pour la liberté de la protection sociale, qui a été fondé en 1991 dans l'objectif de faire en sorte qu'en France soit supprimé le monopole de la sécurité sociale. Les malfaiteurs ne s'arrêtent que si on les arrête. Eh bien, les malfaiteurs du système social français, il faut les arrêter, il faut les arrêter d'urgence. Non seulement nous vivons en dictature, mais nous sommes un pays sinistré.
Alors quand tous ces voleurs, c'est le mot, auront fini de voler, eh bien, que nous allons retrouver notre argent, à ce moment-là, nous nous occuperons bien sûr des défavorisés parce qu'ils méritent toute notre compassion, mais nous nous occuperons surtout de travailler et de donner du travail aux Français. Et quand on aura éliminé toutes les censures qui nous empoisonnent l'existence, eh bien, je pense que la France se portera mieux. Voilà. D'autres questions ? Nous allons permettre aux Français qui le souhaitent, et ils seront très très nombreux, de quitter ce système de sécurité sociale, de bénéficier d'assurances privées, qu'ils pourront prendre d'ailleurs dans les mutuelles existantes. Et à partir de là, vous qui me parlez, et les personnes qui font cet enregistrement, aurez demain un salaire double de celui qu'elles touchent. Parce que les cotisations sociales absorbent l'ensemble, enfin la moitié pratiquement, de ce que le salaire comporte. Donc vous voyez, l'enjeu est énorme. C'est une libération, c'est la deuxième libération française. Pour la santé, j'ai pris chez Amaris, c'est en Angleterre. Comment ça se passait avec Amaris en Angleterre, en sachant que l'hôpital, c'est 9000 euros par jour en urgence? En fait, c'est comme pour la mutuelle. Il faut pas mentir. Oui, si vous dites que vous avez déjà un gros cancer et que vous voulez là-bas, c'est sûr. D'ailleurs, mais moi, j'ai bien essayé. Voilà. Ils s'assurent. Ce qu'ils n'aiment pas, effectivement, on a eu le cas de quelqu'un qui nous a appelé, c'est les diabétiques. Par exemple. Parce que c'est des maladies. Ça, ils n'assurent pas. Mais c'est comme n'importe quelle mutuelle. Donc, vous avez eu accès au nouveau traitement, hein, c'est oui, ça? Oui, oui, ouais. Docteur, sans problème. C'est bien, hein, ça a bien marché. Allongez-vous. C'est vrai que je repense à ce que je vous ai dit. Les gens ne se rendent pas compte, tant qu'ils sont sur un petit risque, que finalement, la sécu, elle est fondamentale. Et que tout le monde aura un gros risque. Forcément, puisqu'on meurt. Donc c'est probablement qu'on croise d'une façon ou d'une autre un jour un gros risque. Et les gens qui osent penser que ça serait mieux de ne pas être à la sécu, ne pas être solidaire, pas solvabiliser le risque des autres, parce que finalement c'est ça, c'est pas solvabiliser les grosses entreprises qui font du pognon, non, c'est solvabiliser le fait que tout le monde soit en bonne santé. C'est quoi, ils pensent qu'ils vont se faire tous écraser en traversant la rue, pouf, comme ça, et qu'ils n'ont pas à payer. Enfin, c'est pas logique, quoi. C'est vraiment pas logique. Enfin. Il est clair qu'un marché de l'assurance en concurrence n'assurera jamais des personnes âgées, des gens qui ont le sida, des gens qui ont des diabètes, etc. Parce que c'est des gens qui, dont la prime leur coûterait leur maison. Enfin, je veux dire, ils sont inassurables, hormis à une échelle très large, qui est l'échelle nationale, c'est-à-dire à l'échelle d'une population tout entière. La concurrence et le marché du côté du financement, du côté de l'assurance maladie, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, on a un cas d'école qui illustre très bien cet échec. C'est le cas américain. Non seulement le marché de l'assurance maladie privée est inefficient, c'est 18% de la richesse nationale que les États-Unis consacrent à la santé, alors que nous consacrons que 12%. C'est inégalitaire. Il y a des dizaines de millions d'Américains qui sont non couverts ou peu couverts, et avec des résultats sanitaires déplorables. Donc tout transfert d'un euro de la sécurité sociale vers le marché des complémentaires santé ou de l'assurance maladie privée est à la fois un euro inégalitaire. C'est un euro inefficient, c'est un euro qui aura des résultats sanitaires médiocres par rapport à un euro public. Donc le paradoxe aujourd'hui veut que l'on mène des politiques qui fonctionnent sur la tête, qui marchent sur la tête. La tendance actuelle, en fait, c'est de faire prendre en charge le petit risque, les consultations en ville, généralistes, spécialistes, par les assurances complémentaires privées, alors que le gros risque, maladie chronique, hospitalisation, sera pris en charge par la sécurité sociale. Faire un petit risque et un gros risque, c'est en fait enlever de la solidarité entre les gens. Vous êtes obligé, pour être correctement assuré et avoir accès aux soins de manière satisfaisante en France, d'avoir une complémentaire santé. Donc de fait, c'est une dépense contrainte. Donc moi, je dis aux Français qui se disent « je veux pas payer plus d'impôts », je dis « est-ce que vous voulez payer plus d'impôts publics
par une augmentation de vos cotisations et de vos CSG qui sont proportionnelles à vos revenus, donc qui sont socialement justes, ou à l'inverse, est-ce que vous préférez payer un impôt privé qui ne cesse d'augmenter, donc les primo-mutuelles, mais qui, eux, sont indépendantes de votre revenu, parce que vous êtes tarifé non pas en fonction de votre revenu, proportionnellement à votre revenu, vous êtes tarifé en fonction de votre âge ou de votre situation de famille. Quand vous versez 1 euro à une mutuelle, il y a un quart, donc 25 centimes d'euros, qui vont aller dans des frais de gestion, des frais administratifs, mais surtout des frais de ce qu'ils appellent d'acquisition de clientèle, c'est-à-dire des frais de marketing, alors que pour la sécurité sociale, c'est seulement 6%. Donc il n'y a aucune raison économique qui justifie le recul de la sécurité sociale au profit, et je dirais au plus grand profit, du marché de l'assurance maladie privée. Ce qui plombe l'Europe et ce qui plombe l'Occident, et même maintenant le monde, ce sont les États-providence. Quand vous lisez l'ordonnance de 1945, qui est une ordonnance totalement communiste, il faut le savoir. Pourtant, Larocque, qui rédige ces ordonnances, n'était pas un communiste, pour le coup. Il n'était pas communiste, mais il était fortement imprégné par les idées communistes. Je pense que c'était un homme qui, comme beaucoup de personnes généreuses, sans doute, avait oublié un dicton fameux, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, il avait de bonnes intentions, je n'en doute pas un instant, mais il a créé l'enfer. Car si aujourd'hui, nous sommes en France dans une situation aussi difficile, c'est bien à M. Larocque et surtout à tous ceux qui ont, avec enthousiasme, adopté ces propositions, parce qu'ils ont fabriqué un système qui a tué l'économie française. Le fonds politique français, c'est réellement le communisme qui est partout. La France est un pays communiste. C'est le dernier pays communiste, ça, beaucoup de gens le disent, avec Cuba et la Corée du Nord. La France est un pays communiste à tel point que le Parti communiste n'existe plus. On n'a plus besoin de lui, tout le monde est communiste. La sécu, ça doit être sacralisé. C'est quelque chose qui appartient au peuple, qui appartient aux citoyens, tous les citoyens. Et donc, les quelques rapaces qui essayent de mettre la main dessus, il faut les écarter. Marché et République, c'est pas compatible. Hein, la loi du marché n'est pas compatible avec la loi de la République et les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Hein, et la sécu sociale, c'est à la fois la liberté, c'est une liberté pour tout le monde, tous ceux qui en bénéficient, c'est la solidarité, c'est la fraternité, hein, et aussi l'égalité de droit. Hein, je crois que c'est une synthèse, d'une certaine manière, des valeurs républicaines. Il y a eu énormément de mouvements sociaux pour défendre, avec beaucoup de guillemets, la sécurité sociale. Mais qui parle du sens de la retraite dans nos sociétés ouvertes, mondialisées, totalement à l'opposé de la société de 45. Personne. Je ne veux pas comme ça critiquer les syndicats, mais ils sont rentrés dans une stratégie gestionnaire. Ils n'ont pas du tout été porteurs d'un projet politique sur la sécurité sociale. On n'est pas les seuls responsables, parce que les salariés sont sous pression dans l'utilisation des mots. Par exemple, quand on parle de cotisation sociale, ça devient presque un gros mot. Et le mot charge n'est pas utilisé n'importe comment. C'est-à-dire une charge, c'est un poids, c'est quelque chose qui coûte, etc. Ça devrait être un gros mot dans la bouche d'un salarié de parler de charge sociale. Il faut se battre pour parler de cotisation. C'est le symbole de la solidarité, symbole de ce qu'il faut de ce que représente la Sécu, quoi. On n'a pas assez expliqué au fil des années. Attention, c'est pas parce qu'elle existe qu'elle existera toujours. Hein, comme tout d'ailleurs, hein, mais c'est vrai aussi pour la sécurité sociale. Je pense que ce qui l'a plus ou moins protégée, au moins en termes de couverture, c'est son mode de financement par la cotisation. C'est beaucoup plus dur de remettre en cause une cotisation qu'un impôt. Un impôt, ça se remet en cause à l'occasion d'une loi de finances. Comment vous vous positionnez quant aux différents reculs que vous avez signés avec le MEDEF sur la sécurité sociale? Mais la CFDT, elle n'accompagne aucun recul. Ce qu'il faut, c'est savoir si on veut sauvegarder ce système-là. Il faut prendre la réalité en face. Non pas pour faire des logiques comptables, mais pour regarder comment on fait évoluer la sécurité sociale pour la rendre plus pertinente aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.
il y a de quoi, au jour d'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on nous dit, travailler pour un monde meilleur où tout le monde a sa place, travaille dans de bonnes conditions, peut vivre et satisfaire ses besoins. C'est cette idée-là qu'il faut porter. En fait, il faut juste poser la question essentielle qui est celle du partage des richesses. Et surtout, raconter cette histoire de manière à montrer à tous que ça a été possible et que c'est encore possible. Oui, on ne va pas convaincre les patrons. Donc passons beaucoup de temps avec ceux qu'on a des chances de convaincre et beaucoup moins de temps avec ceux qu'on convaincra jamais. Nous avons le tremplin qui est très supérieur à celui dont disposait Croizat. Enfin, Croizat, qu'est-ce qu'il avait ? Il avait les assurances sociales de 1930. C'était pas grand-chose. Il n'avait pas la convention collective, ça n'existait pas. Il n'avait pas le CDI n'existait pas. Nous avons, nous, bien plus de tremplins que lui, grâce à lui. Alors, quand je dis Croizat, c'est une figure emblématique d'un mouvement qui a réuni des millions de militants sur des dizaines d'années, bien sûr. Hein. Mais grâce à ce mouvement-là, nous disposons de tremplins qui n'attendent que notre détermination politique et notre enthousiasme collectif. La dernière fois que je t'ai vu, tu avais 6 ans. Ouais. C'était un petit gamin avec des bottes de pluie, torse nu et qui grimpait tout le temps la cour d'école. C'est vrai que je suis né derrière l'usine, ouais. 30 ans après, Nicolas il est devenu ingénieur. Ouais. Responsable environnement. Et tu as été à l'usine ici. Non. Je suis rentré ici il y a 5 ans. Ouais. Est-ce que tu connais Croizat ? Vraiment. Tu sais qu'il est né ici, dans les cités, là, hier. Il avait un sacré parcours, quand même, fils de manœuvre. Il termine ministre du Travail et il nous laisse la sécu, les retraites, les conventions collectives. Le type qui dit, désormais, on fera de la retraite non plus l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Ça, c'est des choses qui... Ouais. Le comité d'hygiène, sécurité, la prévention dans l'entreprise, tu vois. Il a été un des premiers à insister sur la prévention de la mort. D'accord. Enfin, Nicolas, il saura maintenant. À l'époque, les jeunes, ils s'engageaient, hein? Il y avait les jeunes syndicalistes, il y avait les jeunes politiques, les jeunes socialistes, les jeunes communistes, les jeunes jossistes. Il y avait partout, il y avait les jeunes, la plupart, ils s'engageaient, ils y allaient. Il y avait les scouts, il y avait les éclaireurs, il y avait un tas de trucs. Maintenant, je ne vois pas ça comme ça. C'est beaucoup moins. Mes enfants, ils ne sont pas engagés. Mes petits-enfants, non plus. Ils pensent à leur retraite, quand est-ce qu'ils vont l'avoir, le plus tôt possible. Et ben voilà. C'est marrant, hein. C'est marrant, hein, les âges. Moi, la grande chance que j'ai, c'est mon âge. C'est une chance, c'est pas une chance. Je suis au bout du rouleau, moi. J'aurai 96 ans le 8 décembre. Vous vous rendez compte? Je vais mourir. Je suis sur la porte du crématoire, moi, hein. Je vais être crémé au crématoire de Monaco. Je suis sur la porte, hein. Je suis sur le pas de porte, et j'ai plus qu'à leur dire ouvrez. Et puis on n'en parle plus. Et c'est vrai, soyons sérieux. J'ai pas 40 ans, j'ai pas 35 ans, je suis au bout. On ne peut pas vivre plus longtemps que ça. Et oui, un AVC et paf, on n'en parle plus. Je ne parlerai plus de la sécu. Vous m'entendrez plus, je ne reviendrai plus. Gilles, il a été malin. Il m'a pris. Il m'a dit, allez, viens avec moi, tu vas voir. Bon, je ne vous retiens pas plus, hein, je m'excuse. Ça y est, vous m'avez tout dit. Personnellement, je trouve que ce genre de témoignage redonne la niaque et redonne l'envie de...
de tout faire pour défendre ce système. Un supplément d'âme. Ouais, c'est ça. Une perspective de hauteur, ça nous sort des débats gestionnaires et on reparle un peu de politique parce que c'est quand même une question politique, quoi, la sécurité sociale. Quand on fait croire aux gens qu'on ne peut pas augmenter les budgets de la sécurité sociale, ou c'est une question de choix politique, c'est une question d'engagement. Et si les gens se mobilisent pour défendre le système, on a la capacité de le faire perdurer, de l'améliorer et d'adapter sans cesse aux évolutions sociales pour qu'il soit plus performant, justement. Et puis on n'a pas choisi l'ENA, on n'a pas choisi n'importe quelle école, on a choisi vraiment la sécurité sociale. Et moi, ça m'a beaucoup émue parce que je sais encore plus aujourd'hui pourquoi j'ai choisi cette école.